Hello YouTube, aujourd'hui on brave des conditions de météo, j'en parle pas, il y a moins 3 degrés et aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que je vais me rendre sur Paris, de toute façon tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, je vais faire mon premier cours de jiu-jitsu brésilien, donc ça promet d'être bien physique et on va voir dans quel état je ressors après ça quoi. Bon allez, ciao, on se retrouve directement là-bas. Quand on sort d'un entraînement de JJB, les cheveux bien mouillés, franchement c'était top, ça donne envie en tout cas. Bon là je te fais cette partie là quelques jours après l'entraînement justement, et j'ai préféré attendre quelques jours pour voir un petit peu comment je l'avais appréhendé et surtout quel recul je pouvais avoir par rapport à l'enthousiasme du moment, le fait d'être dans l'euphorie, d'avoir l'adrénaline, etc. Et je me suis dit que justement attendre quelques jours, voire là on est même à une semaine d'écart après justement la petite vidéo de l'entraînement, en fait ce qui est déjà sur c'est que une fois l'euphorie partie de l'entraînement, le fait d'avoir pu comprendre l'histoire du jiu-jitsu brésilien, le fait d'avoir être reçu justement à la Gracie Barra Academy, il y avait des doutes, des questions en me disant est-ce que je vais vraiment aimer ce sport, est-ce que je vais vraiment me sentir dedans. Ça permettait aussi d'évaluer un peu le projet, c'est-à-dire que moi j'ai un projet à 10 ans pour réussir à avoir une ceinture noire, est-ce que c'est réalisable ou pas, est-ce que mes capacités du moment font que justement ben, je suis bien parti ou je suis vraiment très loin de cet objectif, etc. C'est très intéressant du coup d'avoir pris ce recul, et là je me retrouve justement dans la condition suivante qui est le jiu-jitsu brésilien, c'est sûr et certain que je vais adorer parce que l'emploi de la force n'est pas primordial. Ça va être énormément de souplesse, énormément de technique, énormément de tactique, et c'est quelque chose que j'adore. C'est dans ma vie de tous les jours, je suis très axé sur le cerveau, justement sur les différentes techniques pour améliorer la mémorisation, le développement personnel, la visualisation, etc. Et en fait, dans le jiu-jitsu brésilien, en un entraînement, j'ai réussi à comprendre justement tout ce qui pouvait être lié à la proprioception, à la visualisation, à la répétition des choses, au fait d'échouer, puis de réussir. Donc ça s'inscrit pleinement en fait dans ce que je veux vous présenter et dans le choix de cet objectif là de départ. Donc ça déjà je suis très content parce que justement ça correspond vraiment à ça. Maintenant j'ai eu 2-3 petites sensations durant l'entraînement qui ont été ultra particulières et que j'ai envie de partager en fait avec toi. Donc l'entraînement se passe d'une certaine manière, donc il y a l'échauffement, des petits randoris, puis après, randoris c'est des petits combats, puis après il y a l'apprentissage des techniques, d'une, deux ou trois techniques, et à la fin il y a à nouveau des petits combats, mais tranquilles, où on essaye justement de placer les techniques du jour. Et en fait, il y a eu un moment, donc dans la phase d'échauffement, donc la phase d'échauffement m'a permis de voir que ma condition physique actuelle, donc le fait de peser 105 kg pour 1m79 à quasiment 30%, d'indice masse graisseuse m'a permis de voir que j'étais pas du tout au bon niveau pour la préparation physique, mais ça c'était sûr, c'était quelque chose que je savais déjà d'avant, c'est à dire que à la fin des 2 minutes 30 d'échauffement j'étais déjà en nage, j'avais déjà quasiment plus de souffle, je me sentais rouillé au niveau de mes hanches, au niveau de mes genoux, etc. Donc déjà ça a fait appel à un premier truc en me disant tu vas souffrir pendant 1h30, surtout en fait ça fait partie du process, ça fait partie du process dans le sens où si j'étais arrivé là bas et que c'était les doigts dans le nez, je me serais dit en vrai ça sert à rien que je perde, ça sert à rien d'avoir le projet de perdre 25
5 kilos. Donc ça m'a inscrit encore un peu plus dans le projet. Donc ça, c'était super bien et c'est un truc que j'ai ressenti tout de suite. Et après, il y a eu une deuxième sensation qui a été beaucoup plus difficile à appréhender, mais qui m'a retourné comme jamais j'ai été retourné. Donc c'est durant une opposition avec le prof. C'était sur un cours privé par rapport au Covid et à toutes ces choses-là. Et je me retrouve en fait à être sur le dos, lui sur moi, essayer de forcer des choses parce que quand on débute, en fait, on mise tout sur la force parce qu'on n'a pas la technique. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai senti littéralement mon cerveau se dire que j'étais en état de danger de mort, en fait. Comme si ça venait appeler un réflexe au niveau du cerveau reptilien et que ça me disait là, si tu bouges pas ou là, si tu fais pas preuve d'explosivité ou autre, en fait, tu peux mourir. Et c'est une sensation qui est ultra particulière parce qu'il y a cette sensation de soumission, un peu d'instinct primaire, que si on se retrouve sur le dos, ça va être danger pour toi, en fait. J'ai jamais connu ça dans aucun sport, même dans le rugby, lorsqu'on se prend un plaquage et qu'on se retrouve par terre. On n'est jamais prisonnier de ça. Que là, en fait, l'étreinte, le positionnement de l'adversaire va faire que moi, ça a activé quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que n'importe quelle personne peut commencer n'importe quel sport. C'est-à-dire que si demain vous êtes plutôt sédentaire et que vous décidez de vous mettre à la course à pied, vous savez courir. Peut-être vous courez pas une heure, mais vous savez mettre un pied devant l'autre, vous savez trottiner, vous savez sprinter, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, mais c'est quelque chose que vous allez faire, que vous savez faire tout du moins. Si vous souhaitez faire du basket, faire du hand, du volley ou autre, il faut savoir courir, il faut savoir sauter et il faut savoir lancer. Ces trois activités-là, vous savez les faire. Même la personne la plus sédentaire au monde, elle a forcément été à l'école à un moment et elle a joué dans la cour de récré ou elle a fait du sport à l'école. Et du coup, c'est quelque chose qui est induit, qui est inscrit en nous. Si demain vous voulez faire de la boxe, si vous voulez faire de la boxe thaïlandaise, de la boxe française ou autre, vous avez en vous aussi également le fait de taper. Vous savez taper, même si vous connaissez pas la technique ou bien comment réussir à bien respirer ou autre. Vous savez taper. Si demain vous vous faites agresser dans la rue et que vous êtes pas frisé par la peur, vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez pouvoir mettre deux trois directs. Mettre des coups de pied ou un coup de tête ou ce genre de choses. Sauf qu'en fait, dans le jiu-jitsu brésilien, une fois qu'on se retrouve sur le dos et que la personne elle est au-dessus, en fait, on se retrouve qu'on s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Ou tout du moins, dans notre vie actuelle, sédentaire, dans cette société à cette époque-là, c'est pas normal de se retrouver par terre dans une position. À un moment, j'avais limite les genoux au niveau de la tête. Et en fait, le fait de se retrouver dans cette position-là, c'est pas naturel. Du coup, le cerveau, il se met à paniquer très vite. Ça m'a permis justement de voir aussi toute l'utilité du jiu-jitsu brésilien lorsque... si on se retrouve en état de self-défense, on se retrouve par terre et qu'il y a quelqu'un sur nous, la pratique et la répétition va faire qu'on ne va plus être surpris, ou tout du moins qu'on va savoir comment agir et comment se défendre. Et j'ai ressenti cette chose-là dans mon premier entraînement de jiu-jitsu brésilien. Donc du coup, ça m'a quelque peu questionné et je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Il faut que je passe par ce sport, par toute la philosophie qu'il y a derrière, par le côté martial, etc. Et du coup, c'est sûr et certain que ce défi va être officialisé. Mais je vais faire du jiu-jitsu brésilien et surtout de le faire dans le respect des gestes barrières, etc. Donc je vais peut-être devoir attendre que la situation aille mieux ou voir attendre septembre, si jamais ça va pas mieux d'ici là. Et donc, ça m'a permis de réfléchir en me disant l'objectif de ceinture noire commencera peut-être qu'en septembre, mais en attendant, il y a énormément de choses que je peux faire, comme par exemple travailler sur ma condition physique, travailler sur ma mobilité, travailler sur de la visualisation, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est ça que je vais vous filmer en attendant de pouvoir commencer, sauf si jamais il y a un club qui ouvre très près de chez moi et qu'il y a la possibilité de s'entraîner de manière avec un effectif réduit ou autre. Et ça, je vais mener mes recherches pour voir s'il y a la possibilité de le faire. Et sinon, en attendant, je vais travailler tout le reste. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.